Voici quelques autres commanditaires de notre saison. Mon frère Le Sauce sont pas au courant. C'est qu'elle a, hein? Son dîner passe pas. Mais elle dîne jamais d'habitude. Ben, c'est ça, à chaque fois qu'elle dîne, elle gerbe. Elle devrait le savoir. La force de gerber quand elle dîne, elle devrait finir par comprendre. Les forces de gerber canadiennes vont-elles finir par comprendre? Bidito là-dessus. Catherine Ouellet, comment puis-je vous aider? Moi, c'est une assurance voyage, s'il vous plaît. Pour quelle destination? En Irak. D'accord. Je vais avoir des cheveux blonds, des yeux bleus, puis un t-shirt d'Elvis. Et vous allez faire quoi là-bas? Oh, ben ça dépend. S'il fait beau le premier jour, je prévoyais donner des petits coups de doigt dans le front en disant écoute-moi bien, t'es là au premier gars que je vois armé qui a la face cachée avec un drap noir. Là. D'accord. Avez-vous l'intention, oui ou non, d'arracher le burqa à une femme en pleine rue à l'heure de pointe en chantant Stars and Stripes Forever? Ah, ouais, si j'ai le temps, c'est une idée, oui. OK, une autre question ici. Prévoyez-vous donner une jambette à quelqu'un qui a une drôle de ceinture? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres destinations? Oui, mais en Sibérie, pas de manteau, en Afrique, pas de condom, en Israël avec la masse de Mel Gibson. Et au départ, vous allez à l'aéroport directement ou si vous avez l'intention de grimper des poteaux électriques avec des câbles à bousser, une flaque d'eau? Oui, je vais le faire le poteau. Vous êtes assuré à compter de la date de votre départ? Quoi, vous m'assurez? Oui. Après tout ce qu'on vient de dire? On assure tout. Chez Wowo Mazo, on assure tout. C'est tout. Tu sais que ça en vient avec un chapeau et des boudins, là? Hey. T'es un jouet fastidique. Bonjour. Bonjour. Il veut-tu acheter mon gant de baseball? Il est à vendre, mon gant de baseball. Il est beau, mais... 75 piastres, n'en parle plus. Mais... Attends-tu, Samit? Plusieurs personnes sont en dessous de Samit. Faites le www.grosmanteau-noir avec un chapeau, même quand tu fais plus 40.com. Oui, bonjour, mon petit bébé. Allô? Je suis bien au 976, Javal. Oui, ben... qu'est-ce que tu veux que je te dise comme cochonnerie aujourd'hui, mon papa? C'est parce qu'on dirait que je suis pas inspiré, là. Voyons. Je savais pas que vous aviez sorti avec Jacques Cartier, moi. Regarde, on va dire que je te travaille, OK? Ouf, on va dire que t'as faim de moi. Plusieurs personnes travaillent pour, on va dire, leur faim de moi. Consultez jobboom.com ou jobbin.ca. Numéro 8400, Soréon. Hey, c'est-tu long, l'attente au bureau d'assurance chômeur? C'est incroyable, c'est toujours comme ça. Tu faisais quoi avant d'être chômeur, toi? Je travaillais dans une usine de produits alimentaires. Ah ouais? Toi, mon ami? Oh, moi, je suis pas bien fier, là. Pourquoi? J'étais escorte pour un président de compagnie. Tu veux dire, tu... Ouais, je suçais un momoun. Oh, tu travailles fort? Ben, travaille fort. Tu suçais un momoun, tu sais. Mais oui, tu travailles fort, tu suçais un momoun. Tout travaille fort, c'est ça, momoun. Call now. Hey, pas. C'est qui, mon ado, qui a les pieds bien trop grands? L'affaire, Israël, puis les musulmans, puis c'est quoi l'affaire? Ah, ben ça, ouais, c'est une longue histoire, ça, c'est ouais. C'est quoi l'histoire? Tu sais, dans le temps d'Israël, à un moment donné, il y a 2, 3 000, 4 000, 6 000 ans, il y a, à un moment donné, il y avait le OK. Dans un premier, les chiites, les kurdes, ouais. Les sunnites. Ouais. Pas les sunnites, mais les autres, là. Okay. En tout cas, à un moment donné, l'Israël, ils ont dit ça. Ils ont dit, parce que les musulmans, ils n'ont pas pris ça, ce qu'ils ont dit. Ils ont dit aux autres, ils ont répondu. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'as l'autre bord, à un moment donné, qui sont pas de. Quand les sunnites, là, en tout cas, okay. En tout cas, c'est pas ça, parce que. Oh, non. La Palestine, c'est une autre affaire, là. Okay. C'est pas comme l'Irak, c'était pas ça. L'Iran, c'était pas ça. Là. Okay. La Palestine, c'est plus ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, okay. En tout cas, ils ont dit, à un moment donné, ça va faire. Ouais. Mais là, c'est quoi l'histoire? Je ne sais pas l'histoire. Renseignez-vous avant d'utiliser un C'est pas histoire. Faites le www.cartlesbains.com.